Onze gast in de diepte vandaag is Nabil Dirar, de 22-jarige Marokkaan die de fans al meermaals in vervoering bracht met zijn flitsende acties op de flanken. Ik ben in Marokko. Je suis arrivé ici en Belgique à l'âge de 14 ans, 13 ans et demi, pour faire mes études. Et je faisais en même temps le football. Alors ça a bien marché dans le foot. J'ai commencé 4e provincial. J'ai joué un an et puis RDWDM. Et puis j'étais à l'Union Saint-Gilloise. Et puis Diegem. Et puis Westerlo. Et puis maintenant je me retrouve à Bruges, quoi. Nabil is de jongste van 10 kinderen, maar hij is de enige in de familie die voetbalt. En hij leek allesbehalve voorbestemd voor een profcarrière. De Marokkaanse international is dan ook het prototype van een straatvoetballertje. À casa, je jouais juste pour à l'école, quoi. Juste dans les écoles et tout. On jouait de temps en temps des petits tournois et le dimanche. Et quand je suis arrivé en Belgique, il y avait des à côté de chez moi, il y avait un petit terrain. Alors je partais jouer tous les jours presque. Juste après l'école, on partait s'amuser et tout pendant des heures et des heures. En mini-foot à peu près, 4 contre 4 et voilà. J'ai commencé, on va dire, dans les clubs à l'âge de 14 ans. J'étais en, je crois, en cadet deuxième année et j'avais joué pour les scolaires. Alors j'ai commencé parce que je n'étais pas motivé pour... Il y avait des gens qui étaient derrière moi, qui me disaient viens au club, viens t'inscrire avec nous et tout, comme quoi tu joues bien et tout. Parce que j'ai joué juste dans les parcs et à l'école. Voilà. Ça se voit encore, non? Ouais, on va dire, j'ai encore les petites touches de la rue, j'ai encore les... Voilà, c'est un peu mon style, on va dire. Je ne sais pas vraiment me changer. Maar veranderen hoeft ook niet, want ook al kreeg Dirar geen klassieke voetbalopleiding, veel voetballers benijden zijn gave techniek op het veld. Ouais, parce que vraiment la technique, on peut pas l'apprendre dans une équipe de football. On doit l'apprendre entre copains, c'est là vraiment on joue pour s'amuser. Alors on essaye de faire des trucs qui c'est dur à y réussir. Et voilà, et puis ça devient simple. Quand tu deviens sur un terrain, ça devient simple parce que tu as déjà appris ça avec tes copains, alors ça devient facilement. Op zijn 22e speelt Dirar nu al bij een Belgische topclub en er was ook interesse uit het buitenland, maar toch droomde de jonge Nabil nooit van een profcarrière. Moi, je commençais vraiment à rien, je jouais juste pour m'amuser et tout. Je jouais pas pour gagner de l'argent parce que j'étais à l'école et tout, je faisais beaucoup de trucs, je travaillais de temps en temps et tout. Alors le foot c'était juste pour s'amuser avec mes copains et tout, mais comme quoi ça allait super bien, j'ai dit pourquoi pas de continuer sur cette route-là et on pourrait gagner notre vie facilement, quoi. En makkelijk lijkt het wel als je Dirar op het veld ziet dollen met zijn tegenstanders. Hij zoekt telkens het duel op en verzorgt het spektakel. En daar spelen ook de supporters een grote rol in. Voilà, ça donne envie quand tu vois des supporters et tout qui t'applaudissent, qui sont derrière toi, qui sont venus, qui ont fait des trajets et tout. Alors t'as envie de faire un bon match comme ça, au moins ils pourront retourner chez eux satisfaits, quoi.